Cette campagne, elle est venue finalement de la danse. Le travail que j'ai fait avec Mélanie et Roger à Montpellier Danse, où j'ai photographié les danseurs en sortie de scène. C'est-à-dire où j'ai commencé à dire, tiens, finalement, ce qui est intéressant, c'est pas tant le mouvement, c'est pas tant ce qui se passe sur un plateau, c'est justement la retenue, la tension du corps, la fatigue, etc., etc. Et de là, de fil en aiguille, j'ai rencontré la Fondation. Il y avait des gens de la Fondation BNP Paribas qui soutiennent le Festival Montpellier Danse qui était là. Je pense qu'ils ont fait ce pari un peu audacieux de se dire, et si on lui proposait à lui de faire les photos? Voilà, c'est ça le départ. Faire grandir, c'est le propre sans doute de la Fondation, mais c'est le propre finalement de beaucoup de choses. Hein. Quand on rencontre quelqu'un, quand on partage quelque chose avec quelqu'un, on sait que ça va nous nourrir et que ça peut nous faire grandir. Donc moi en photo, moi j'ai plutôt une photographie douce, bienveillante. Donc oui, ça résonnait. Voilà. Après, sur le dépassement de soi, quand j'ai vu ces personnalités, ce qu'elles avaient tout en commun, c'était cette envie de se dépasser, permettre à d'autres qu'eux-mêmes de aussi se dépasser. Elles avaient toute une espèce d'aura à la fois très bienveillante et à la fois très optimiste. Donc c'était faire grandir, oui, mais c'était surtout, allez, venez, on vous emmène. On vous emmène dans ces histoires. Et toutes ces histoires-là, elles nous font du bien. Si au final, tu vois une image et tu te dis « Ah ouais, le mec, il a posé », elle est ratée. Si au final, tu vois une image en conscience et que tu dis et que tu t'oublies au moins un instant qu'il y a un flash, qu'il y a un appareil photo, qu'il y a des gens qui ont dit « Habillez-vous comme ci, tenez-vous comme là », et qu'on oublie même qu'il y a un photographe, à ce moment-là, on a une image. Le jour où on affichera toutes ces photos ensemble, on se rendra compte, j'espère, que ces personnes, même si elles sont habillées différemment, même si elles sont dans des décors différents, même si elles sont dans des teintes différentes, même si elles sont dans des attitudes différentes, elles sont toutes réunies par la même énergie, on se dit, ah bah oui, c'est évident, bah oui, ah bah oui. Des images de vraies personnes sans tricherie.